je suis dépassé. I mean, I'd be crying out too much, oh. Boy, I'd be crying out too much, oh. Boy, I'd be crying out too much, oh. Mon frère, ma soeur, je suis dépassé. Oh non, 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 non. Salut Déborah. Bonjour. Il attend qu'on soit connecté au maximum. Ah, oh, tu es au travail. Moi, je sors tout à l'heure. Il y a à peine 30 minutes. Je ne vais pas mettre trop long. 30 minutes maximum. J'espère que tu vas bien et que le boulot aussi se passe bien. J'ai juste un petit message à transmettre. Salut Claire. Salut. Partager le direct au maximum. Je passe mon message et je m'en vais à vaquer à mes occupations. Mes yeux sont rouges. Mes yeux sont rouges. Parce qu'il vient de me réveiller de 8 heures. Partagez, hein. Je vous ai dit, je ne mets pas de musique. Je ne mets plus de musique quand je fais des directs. Parce que tout ça, la même, ça ne rime pas à grand chose en fait. On n'a pas. On n'est pas dans les humeurs de mettre la musique en fait. Parce que quand on met la musique, c'est comme si on contribuait à cette distraction-là. Quel que soit le message qu'on transmet, on a détendu l'atmosphère. Nous ne sommes pas là pour détendre l'atmosphère. Non. Quand tu es là pour transmettre un message à un peuple qui est fermé, qui ne veut rien comprendre, qui est dans la distraction et la perdition, si tu mets la musique à un début, attends, pour eux, c'est comme si tu venais jouer en fait. Je ne sais pas si quand je transmets ce message, les gens comprennent. Chers frères combattants, changeons de tactique. Changeons de tactique. Depuis un certain temps, je suis là, j'essaie d'observer la toile silencieusement. Et je me dis, on a encore du chemin. On a encore du chemin. Et le pire dans cette histoire, salut Victoire, salut Stéphane. Le pire dans cette histoire, c'est que on a commencé à se combattre. Les combattants ont commencé à se combattre entre eux. Moi, j'ai cru que c'était un truc qui devait passer. Hein. Salut, Évariste. J'ai cru que c'était un truc qui devait passer. Salut, Malik. Mais avec le temps, on se rend compte que ça continue. Ça continue. Every day, les gens se combattent entre eux. Attendez, dites-moi, quel est l'objectif de ce que vous êtes en train de faire maintenant? Est-ce que nous avons les mêmes objectifs, les mêmes finalités pour ce pays, le Cameroun? Chers frères combattants, chers frères camerounais, la façon dont vous vous combattez sur la toile, entre vous, merci Malik, entre vous, vous êtes en train de vous combattre entre vous. Quelle est la finalité? Est-ce qu'on a les mêmes objectifs? Est-ce que nous voulons le même Cameroun? Nous voulons la même chose pour ce pays-là? I don't think so. I don't think so. Because ça fait une semaine où je me suis un peu reculée, j'observe. Non, plus d'une semaine d'ailleurs. Depuis un certain temps, je dis j'observe. Je vais voir jusqu'où ils veulent aller. À un certain moment, je me dis, bon, c'est fini. Je pense que le dernier combat, c'était entre tel et tel. Comme ils ont déjà parlé, là, ça va, on continue. Attendez. On ne peut pas, on dit tout chemin mène à Rome, c'est vrai. On peut être ensemble, on a la même finalité, mais on emploie différents chemins. D'ailleurs, on peut s'organiser. Quand un groupe de chasseurs vont en chasse, ils veulent faire une bonne chasse. Quand ils arrivent au point de départ, ils se départagent. D'ailleurs, ils peuvent se départager les tâches. Toi, tu chasses le hérisson, nous, on chasse le rat. L'autre là-bas chasse le lion. C'est pas ça? Bon, mais
Si, au lieu de vous entendre comme ça et de partager les tâches, vous êtes en train d'essayer plutôt de tuer l'autre, de vouloir étouffer l'autre, parce que c'est mon idée qui est, parce que c'est moi qui pense vrai, parce que c'est mon... Je sais pas. C'est moi qu'il faut suivre. C'est moi qui suis sur le bon chemin. Les autres sont sur le faux chemin. Si les autres pensent comme ça, c'est parce qu'ils ne sont pas... Non, non, non. Non. Ne vous l'a-t-on pas dit, tout chemin mène à Rome? Ne vous l'a-t-on pas dit? Salut Martial. Vous le savez? Vous voulez arriver à Rome, qui est notre Cameroun? On a un objectif à atteindre? Mais en chemin, vous vous entretuez, soldat. En chemin, vous luttez, soldat. Le dernier direct que j'ai fait, j'étais en train de vous dire, arrêtez la distraction dans la révolution. Arrêtez le commerce. Arrêtez de venir sur Facebook chercher de l'argent. Si vous êtes des combattants, tout ça ne va pas vous intéresser. Je suis d'accord avec vous. Chacun doit pouvoir survivre. Chacun doit survivre au niveau où il se trouve. Doit se payer son loyer, ses billes et tout. Donc, tu as un boulot, c'est normal. Si tu veux venir sur Facebook, donc, pour chercher de l'argent, crée-toi une page Facebook pour ton commerce et ne mets pas la révolution dedans. Non, mais pas du tout. Pour singer ton tante, on ne part pas en guerre faire le marché. Quand on est dans une révolution, une résistance ou quoi que ce soit, mes chers frères, on est en guerre. Vous êtes en guerre contre un système. Vrai ou faux, mes chers frères combattants? Vous êtes en guerre contre un système et quand on est en guerre, on ne fait pas le commerce. Quand on est en guerre, on n'écoute pas le zouk, on n'écoute pas les caleçons et tout le reste. On n'écoute pas ça, on ne gère pas ça quand on est sur le terrain de guerre. Mes chers frères, il y a des choses que vous pouvez utiliser. Ce peuple est un peuple tellement, tellement, ah, que quand vous commencez à les animer, vous venez comme si vous venez faire la comédie sur la toile, et ils ne peuvent pas prendre au sérieux ce que vous êtes en train de faire. Du coup, même ceux qui ne font pas comme vous, qui venez mélanger la distraction et le combat, le peuple mélange tout. On se dit, ok, c'est les mêmes gens qui combattent parce qu'ils disent qu'ils veulent que le Cameroun change. On mélange du coup tout le monde. Oh, on ne doit pas mélanger tout le monde. Donc faites attention. Prenez vos responsabilités en main si vous êtes dans ce combat. Ensemble, vous faites ou vous laissez. Mes chers frères, on ne peut pas aller en rang dispersé et espérer arriver. Quand je dis en rang dispersé, tellement dispersé, je vous ai dit non tout à l'heure. On peut s'organiser. On dit, ok, toi tu passes par l'Italie. Moi je passe par l'Allemagne. Toi tu passes par la France. Donc, c'est-à-dire, vous essayez de répartir le combat de telle façon que chacun a une tâche précise. Mes chers frères, que ce soit la révolution ou la résistance, vous voulez un changement pour le Cameroun, vrai ou faux? Non, parce que depuis, j'écoute des choses sur la toile qui me sidèrent un peu. Et je me dis, si des jeunes de mon âge, parce que quand moi je vois ma génération, ils ne s'intéressent pas du tout à ces histoires. Ma génération ne s'intéresse pas à cette histoire. Presque pas. Hein? Presque pas. Quand parfois je fouille la toile pour regarder, pour chercher mes camarades avec qui j'ai fait le lycée bilingue de Bafoussam, le lycée classique de Bafran, tout ça. Ils ne sont pas intéressés. Ça ne leur dit rien. Ce n'est pas leur truc. Parce que ceux qui sont là-dedans, les aînés qui sont là-dedans, je ne sais pas comment dire ça. J'aimerais accuser toujours, comme je le fais souvent, les parents. Mais je me dis aussi, à un certain moment, quand même, attendez, quand vous grandissez là, à un certain âge, vous dites aux parents, je suis grand, je m'en vais chercher ma chambre. Bon, quand vous êtes grand, vous partez chercher votre chambre là. Vous pensez que le parent viendra là-bas vous nourrir tout le temps, viendra payer votre loyer, viendra vous soigner. Ou bien vous n'avez pas de projet d'avenir ou bien de vie pour vous, en fait. Vous n'avez pas, vous n'en avez pas. Je veux comprendre. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos têtes. Je veux comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Mes chers frères et sœurs, au moment où le monde avance,
Vincero l'avait chanté. Nous, on recule. Nous reculons tellement que je me pose la question. Il y a un certain combat qu'on a commencé à mener à un certain moment ici. Les femmes se plaignaient des boutons. Je vais vous parler des acnés, des boutons que les masques leur donnaient. Et quand j'ai vu ça, je vous assure, j'ai ri aux éclats. J'ai ri aux éclats, pourquoi? Parce que je me suis dit, oh, si ces masques-ci se font porter par nos sœurs au pays, et qu'elles commencent à avoir ces histoires de boutons-là, elles vont commencer par où? Parce que, au niveau où on est, où le monde est, nous sommes tellement en arrière que, comme j'ai l'habitude de vous le dire souvent, cette mondialisation nous a ratés. Je vous le dis depuis 2017, la mondialisation nous a ratés. Rattrapons-nous, remettons-nous sous le pas. Mettons-nous en désolé, il y a des scams qui ne font qu'appeler. Et ces gens sont en ligne, ils cherchent l'argent every day. Tu n'as même pas l'argent dans ton compte, on t'appelle. Parce qu'ils veulent que tu décroches. Dès que tu décroches là, ils prennent tes informations, c'est parti. Ils vont te voler. Mes chers frères et sœurs, il faut qu'on essaye de se mettre au pas. Au pas. Quand je dis au pas. Au pas, à un point. J'ai souvent d'habitude, quand je fais des directs ici, j'ai comme l'impression que, I don't know. Même quand je vois nos frères faire des directs, ça me fait mal, hein, de voir des combattants qui ont fait des preuves ou bien qui ont fait des trucs qu'on connaît, être sur la toile tous les jours en train de vous dire partagez, partagez, partagez. Partagez mes directs, partagez, partagez le direct. Dès qu'on arrive à tel nombre, je commence. Non. Allez là-bas à côté de vous en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Quand ils savent que celui-ci là, il nous apporte du miel et de quinqueliba pour laver nos cerveaux, dès qu'il est connecté, ils sont connectés. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de connaissances. Ils ont besoin d'échanger. Moi, quand je suis assise avec vous, ce que vous êtes en train d'écrire, par exemple, comme message, moi je lis. Je peux lire un message et puis un commentaire là et puis je commence à épiloguer dessus. On s'échange. Personne n'a le monopole du savoir. Je suis là pour apprendre de vous comme vous apprenez de moi. C'est la raison pour laquelle après mes directs chaque fois, je rentre dans les commentaires dès que j'ai du temps et je réponds. Je fais l'effort de répondre à presque tout le monde. Parce que je veux apprendre de vous. Comme je vous le dis tout le temps, j'essaie de comprendre comment est le mental de nous les Camerounais. Je veux comprendre. How we think. I need to know how we think. How we see ourselves. C'est-à-dire, je veux savoir comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on se voit nous-mêmes. C'est pour ça que je vous pose de la question à la fin de tous mes directs. Camerounais, comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Comment est-ce que tu vois ton pays dans 5 ans? Les gens prennent l'excuse, et je vous le dis tout le temps, que oh, moi je vis mon quotidien, moi je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ça c'est des gens, des menteurs et des manipulateurs. Quand quelqu'un te dit, tu poses la question à quelqu'un, comment tu vois l'avenir, comment tu te vois demain? Il te dit que non machin, si tu es en couple avec quelqu'un, une fille ou un garçon, il te dit, tu lui demandes comment tu vois notre avenir, elle te dit que non, je vis le moment venu, si Dieu permet machin. Tout ça c'est un menteur et un manipulateur. C'est la même façon que un Camerounais qui va dire je ne sais pas, je ne pense pas, je ne sais pas ce qui va se passer demain, je vis aujourd'hui, je vais voir. On ne vit pas au jour le jour mes frères. On ne vit pas au jour le jour, c'est pour ça qu'il écrit. On dit souvent, l'homme propose, Dieu dispose. You are gods, vous êtes des dieux. Des dieux pour vos destins, pour vos vies. Est-ce que vous le savez? Je vais faire comment pour que vous compreniez. Depuis 2017, je mène ce combat. Pour vous faire comprendre que tu es mon Dieu, je suis ton Dieu. Cela se résume par la parole biblique qui écrit, aime ton prochain comme toi-même. C'est la raison pour laquelle, quand tu ne peux pas aimer l'autre, ça veut dire que tu ne sais pas t'aimer. Do you understand me? Do you understand me? Quand tu ne parviens pas à aimer quelqu'un, à poser un acte qui peut sauver l'autre, ça veut dire que tu ne t'aimes pas assez. Quand tu t'aimes, quand vous voyez les gens toujours joyeux, toujours heureux, c'est des gens qui prennent les problèmes des autres comme les leurs. C'est des gens qui se soucient des autres. Oui, Romaric, je vous assure, hein, Martial. C'est des gens qui se soucient des autres.
Vous allez vous détonner dans la vie que il y a une certaine catégorie de familles dans vos quartiers ou bien dans vos villages qui sont toujours, on les qualifie souvent comme ce nez avec la cuillère en or dans la bouche. Vous pensez que c'est un truc qui se crée comme ça là, boum, hein, parce qu'il est né, ok, il est né sur une bonne étoile ou machin. Non! C'est le karma de la famille qui se conduit de génération en génération. Je vous ai expliqué l'histoire de miracle. Camerounais, vous voulez le miracle pour vous? Préparez-le maintenant. Si vous voulez le miracle en 2022 dans vos vies, préparez-le maintenant. Le miracle, je vous ai déjà expliqué, j'ai fait tout un direct ici pour vous expliquer ce que c'est que le miracle. Le miracle n'est pas un mirage, comme on vous dit souvent, quelque chose qui apparaît miraculeux, qui apparaît, je ne sais pas, on utilise le même mot en fait pour essayer de définir quoi. Ce n'est pas, ça n'apparaît pas, boum. Non. C'est un truc qui se prépare. C'est les bienfaits que tes ancêtres, tes oncles, tes tantes, tes anciens, les ancêtres ont préparé, ce qu'ils ont fait de leur vie de bon, qui se ramène au futur et apparaît dans ta vie. Ça ne tombe pas du ciel, mes frères. Ce n'est pas la manne. Bonsoir, Alain Lélé. Bonsoir, tu dois comprendre qu'ici au pays, nous ne pouvons pas combattre les régimes en place sans être traqués. Oui, Alain, je comprends ce que tu es en train de dire. Écoute bien. Alain, tu ne peux pas te lever seul et combattre ces régimes. Tu as vu, même ici à la diaspora, il y a les gens qui... On ne peut pas se lever seul et sortir. Quand les gars organisent les marches, ce n'est pas une personne qui organise, ce n'est pas la personne qui a l'idée qui organise, qui sort. C'est tout un groupe qui sort. Et vous allez vous rendre compte, plus ils sont nombreux, moins on a le contrôle. Quel que soit où vous vous trouvez. La force du nombre, attendez. Vous pensez qu'au Mali, il n'y avait pas la dictature, il n'y avait pas tout ce qui se passe au Cameroun? Tu penses que là, à côté de nous, là, c'est au Sénégal, il n'y avait pas ça? Il y a tout ça. Je dis bien, il y a tout ça. Il y a c'est les mêmes choses que nous subissons. Mais eux, ils ont eu le cran de se mettre ensemble, boy. Ensemble, brother. We need to be together. Together to get out. Une seule personne ne peut pas. On va la battre. Bonjour, Tracy. On va la battre. Ensemble, together. Ensemble, mes chers frères et sœurs. Je vous dis encore une chose. Quand j'observe depuis un bon bout la toile, je me pose la question de savoir. J'ai des amis, sénégalais, maliens, tout. Et quand ils m'invitent à regarder le truc de leurs frères qui sont dans le combat, plus que pour ceux qui connaissent que peut-être, de temps en temps, je suis là sur Facebook avec vous, on dit, Cathy, voilà quelqu'un chez nous qui fait comme toi, un truc comme ça. Je vous assure, seulement le fait que sur Facebook, on soit obligé de vous taper les mains, que pardon, partager, le direct, que le message passe, c'est malheureux. Ça montre qu'on a encore trop à faire. C'est-à-dire, quand tu es abonné sur la page des combattants ivoiriens, sénégalais, maliens, attendez, la population, les gens qui les écoutent, les attendent comme, je ne sais pas, comme le journal de 20 heures, à une bonne chaîne de télé. Je vous assure, chez nous, même ça, vous ne pouvez pas. Et je passe le temps à vous dire everyday, salut Achille. Je vous dis tous les jours que Camerounais, je vous ai appelé combien de fois? Camerounais. Hey! C'est-à-dire, quand ça vient comme ça, ça se mélange, donc ça vient tellement avec trop de pression dans ma tête que je me dis, je parle ou je ne parle pas? Camerounais, ensemble, je vous ai toujours dit que la seule arme qui dépasse toutes les armes du monde entier, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Instagram, pour ces gens qui sont là-bas. Je sais qu'Instagram, c'est tout, on veut tout montrer le luxe là-bas et autres. Non, c'est Facebook, la plus pire des armes de la vie, donc, ça dépasse les missiles, les plus puissants missiles. Vous allez voir,
Comment est-ce qu'on on agit souvent ici sur Facebook et les gens détruisent les gens la vie des gens au point où ils veulent même se suicider? J'ai dit, vous parlez de quelqu'un sur Facebook, il peut se suicider. Quand je vous dis que le téléphone, c'est la seule chose. Le téléphone que vous avez à main là, ça dépasse les missiles de guerre. Quand je vous dis, utilisez-les. Pas pour faire ce que vous faites là, qui ne vous sert à rien. Utilisez-les pour libérer notre pays. Mes chers frères et sœurs, à l'instant où je suis assise avec vous, j'ai pris du temps au boulot. Où je travaille, j'ai dit, j'ai demandé depuis 2 semaines pour avoir quelques heures venir m'asseoir avec vous et vous parler. Juste pour 1 heure de temps. Donc après ça, j'entre dans la voiture, je saute dans la voiture et je cours au boulot. Parce que je n'ai plus assez de temps. Depuis un certain moment, j'ai essayé de me consacrer un peu le temps d'observer et voir certaines choses. Vous pensez que c'est parce qu'on n'a rien à faire qu'on est devant vous? Vous pensez qu'on n'a rien à faire de nos putains de vie pour être devant vous? Non! Il faut que je me paye mon loyer à 1 500 $. Il faut que je paye mes factures. Moi seule. Il faut que je prenne soin de ma maison. Vous pensez que là, ça me donne quelque chose? Non, rien du tout. La seule chose que je vous demande comme récompense, que vous pouvez me donner de beau, c'est de vous asseoir, qu'ensemble, quand on cause comme ça, vous essayez d'amener des idées. Vous êtes très intelligents, mes frères camerounais. Que vous venez avec des idées qui peuvent aider ces combattants à atteindre les objectifs pour notre pays, à arriver aux finalités qu'ils ont pour notre pays. On a des finalités. On se fixe des objectifs et on commence à se mettre, on se met au travail pour à pouvoir atteindre ces finalités. Chers frères combattants, je vous repose la question. La façon dont vous êtes sur la toile en train de vous tirailler, de vous jeter les pierres les uns et les autres, avez-vous encore le même objectif pour le Cameroun? I need to ask you that. Je dois vous poser cette question. Je veux comprendre. Moi, je veux comprendre. Et où est-ce que vous situez le pauvre Camerounais lambda qui n'a pas le mental, l'esprit que vous avez? Vous le situez ou vous le mettez à quel niveau? Pour qu'il puisse vous écouter, pour qu'il puisse dire que, ok, on a dit tel jour, on doit être à tel endroit. Vous le situez où quand vous êtes en train de vous tirer dessus? Vous le situez où? Parce que quand j'écoute parfois, je me dis, je me mets à la place du Camerounais lambda. Je me mets à la place du Camerounais lambda et je me positionne comme quelqu'un qui est venu vers vous attendre des ordres. I need to do that. Right? Parce que je veux comprendre. Ah, Yonga, moi je suis dépassée. Hein? Salut, Warren. Je suis dépassée par des événements. Mes chers frères, personne, ce n'est pas moi qui le dis, personne ne libérera le Cameroun si ce n'est que les Camerounais. Camerounais, nous avons commencé à importer les vaches. Hein, Camerounais. On prend notre bon rindop, on amène en Chine, on prend les déchets de la Chine, on amène chez nous. Et puis on retrouve les femmes avec les cancers de ceci, les hommes cancers de cela. Et on va se poser la question, ça vient d'où? Vous voulez vous poser la question? Vous voulez vous poser la question? Si un peuple qui a faim ne réclame pas à manger, ça veut dire qu'il n'a pas faim. Quand il aura faim, il va réclamer. Ou encore, je me pose la question de savoir, mais quand même, c'est de la misère. Nous vivons la misère chez nous. Les routes se coupent tous les jours. Les accidents tous les jours. Dans le Nozo, on tue nos frères et sœurs every day. Boko Haram ne laisse pas nos frères là-bas dans le nord. Nos ministres et nos enseignants, on les affecte à tort et à travers parce qu'ils ont parlé, ils ont dit ce qu'on ne veut pas comprendre. Et puis je me pose la question de savoir, ça, c'est plus que Sodome et Gomorrhe.
C'est plus que Sodome et Gomorrhe. Attendez, mes chers frères. Chacun lutte pour l'amélioration de ses conditions de vie. Dans mon pays, nous luttons. Je vais vous dire quelque chose que je vis au quotidien. Où je travaille, on a l'habitude par moment de mettre les chansons, les musiques, pour écouter. Je vais vous dire, les Maliens, ils mettent Sidiki Diabaté. Les Congolais, ceux qui sont gospel, mettent leur musique gospel de chez eux. Ceux qui ne sont pas gospel, mettent Fali, Kofi. Vous savez ce que les Camerounais mettent? Parce que vous savez, je n'aime pas souvent mélanger. Hein. Quand j'arrive là, j'observe, je ne mélange pas, je ne fais pas trop souvent ce que le groupe fait. Je suis toujours à part dans mes trucs. Vous savez ce que les Camerounais mettent? Ils mettent Fali, ils mettent Sidiki, ils mettent tout ce qui est sauf Camerounais. Et un jour, je suis donc arrivée, et puis je me dis, il faut que je vais te proposer à ces gens d'animer à un certain moment aussi, de faire de la musique, de mettre de la musique. Quand j'ai mis les musiques, j'ai choisi une connexion des musiques du sud-ouest, des gars du sud, nos frères du sud-ouest là. Amen. Vous savez qui a posé la question en premier? Mes soeurs camerounaises. Kati qui chante ça? Il dit, really? C'est tes frères camerounais. C'est le dernier son de Salatiel. Elle dit, wow, really? Moi, je ne savais pas. J'ai dit, il y en a beaucoup. Il y a une certaine jeune génération de quelques deux ou trois filles là, du sud-ouest là, qui ont sorti, elles sont venues entrer dans l'univers musical. C'est du beau. Quand je les ai fait écouter, ils ont dit, ah, c'est encore quel artiste nigérien ça? J'ai dit, non, c'est camerounais. Rien qu'à ce point. Quand je reste comme ça, je me pose la question. Quand tu as pas un mariage congolais, c'est la chanson, hein. Tu n'entendras jamais, même notre rabarabi, jamais. Quand tu vas à un mariage malien, oh non, c'est les trucs de chez eux. Tu vas aller en Côte d'Ivoire, c'est pareil chez eux. La seule chose, vers la fin de la soirée, le DJ, tu peux avoir demandé depuis, et le DJ, mais c'est nous, on se fait là le nyama. Personne n'y a mon longue, mais voilà. Ou bien coller la petite, voilà. Donc voilà comment. Donc quand tu lui dis, pardon, mets-moi quelques musiques camerounaises, pardon. C'est en fin de soirée. Quand ces gars ont déjà dansé l'un d'ombolo, le truc, quoi là, le coupé de cas, ils sont déjà fatigués. Le gars te met ça. Nous t'en sauvons là le nyama, ou coller la petite. That's it. That's it. C'est-à-dire, quand nous restons, on se dit peut-être que, ok, c'est le problème de tribalisme, c'est le problème de tout ça, vraiment. Ces histoires, c'est profond. Si on augmente le tribalisme dessus, nous sommes fichus d'office. Mes chers frères et sœurs, arrêtez d'écouter tous ces tribalistes. Arrêtez de les écouter. Quand ils sont en direct, ne regardez plus. Est-ce que vous pouvez faire ça un peu pour sauver vos vies? Les enfants que vous mettez au monde là, quand ils tomberont amoureux des autres gens, des autres, où on parle d'autres langues ou bien d'autres villages là-bas dont vous faites le tribalisme, vous allez vous en sortir comment avec eux? C'est la raison pour laquelle vous allez vous retrouver avec les enfants qui font de vos cerveaux avec la hache, qui vous découpent, vous tuent. Hey! Non, Camerounais, je veux comprendre. Parfois, je me dis, il y avait une cérémonie dans mon village qu'on appelait souvent, on fait souvent, on rassemble tous les notables du village avec le groupe des Kunga, et puis on rassemble tout le village au marché, à la place du marché, et on tape les sacs d'une poudre là sur la tête. Ça tue les sorciers. Je pense qu'on a besoin de faire ça chez nous. Et on n'a pas besoin de faire ça automatiquement comme on faisait chez nous au village. C'est vous qui allez dénoncer vos sorciers. C'est vous qui allez utiliser le ivou que vous allez dans votre ventre pour libérer le Cameroun.
N'utilisez plus le hibou, le hibou pour tuer vos enfants, pour envoyer vos enfants, pour envoyer vos soeurs, vos frères, vos cousins. Utilisez le hibou pour nous libérer le Cameroun de ces sorciers qui nous mettent dans la misère. Utilisez le hibou pour mettre ces sorciers hors d'état de nuire, mes chers frères et sœurs. À quoi nous sert le hibou si on est dans la misère dans laquelle on vit? Hein? Vous allez me dire que, oh, aux États-Unis, on fait le franc-maçonnerie. Oh, ici, on fait la rose. Quoi? Ils font les franc-maçonneries. Vous connaissez l'objectif premier de la franc-maçonnerie? C'est pour construire. C'est pour ça que on dit franc-maçonnerie. Maçon. C'est aussi simple que ça. En fait, on n'a pas besoin de trop chercher. Pourquoi ils ont utilisé le mot franc-maçonnerie? Allez, vous allez chercher, vous allez voir. On n'a pas besoin de trop chercher. C'est pour construire. Donc, qu'ils fassent des rituels, qu'ils fassent de quoi, oh, c'était pour construire leurs différents pays. Et il faut être même élevé spirituellement pour intégrer ces trucs. Et du coup, nous, on va laisser la Castel où? On va laisser le Magnan où? Tout ça là, on va laisser ça où? Pour pouvoir se concentrer, réfléchir, pour pouvoir s'élever spirituellement. On va laisser ça où? Hein, papa? On va laisser ça où? On va laisser ça où, Camerounais? On vous sort un documentaire pour vous faire comprendre que les brasseries mettent un produit dans les machines là pour vous faire rendre accro. Ça ne vous dit rien du tout. C'est-à-dire, je suis sûr que les gens, quand ils regardent ça dans leur tête, ils disent quoi, pour moi, quoi même. Dès qu'ils lisent, ils disent qu'à laissez-moi aller boire. Mes parents ont bu. Moi-même, je vais boire. Et le travail, c'est ça, Déborah. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est nous enfoncer de plus en plus dans la misère. Oh, ça ne devait pas être l'objectif. Ça ne devait pas être l'objectif. Moi, je sais que, selon les histoires que nos parents nous ont racontées, ils nous ont fait comprendre que les sorciers et les marabouts, les trucs du village, étaient là pour libérer le village des mauvais esprits. Tous ceux-là qui avaient un pouvoir dans les villages, à l'époque, était là pour libérer nos villages des mauvais esprits. Vrai ou faux? Pour faire utiliser le surnaturel et réaliser des choses dans la vie des gens qui sont là naturellement, simplement comme ça. De nos jours, faut l'utiliser pourquoi? Camerounais, nous restons dans la misère. Dans la misère alors que nous avons les papis chez nous. Qui peuvent aller s'asseoir sur les terrains, nos terrains que les Chinois ont tous envahis. Hein? Vous allez aller seulement vous asseoir dans les, nos rues là-bas à Douala, pour creuser. Vous mettez vos serpents là-bas pour casser la route. Les Chinois ont tout acheté le Cameroun, vous voyez? Vous voyez, Camerounais? Depuis plus de 10 ans aujourd'hui, les Chinois sont chez nous, ils s'implantent. Et ils nous emploient. Pour nous payer, ou c'est combien la journée? Ça atteint même 600 la journée. Ah. Mais Camerounais, ok, ce n'est pas toi qui subis ça, ce n'est pas toi que les Chinois ont engagé pour travailler sur ces terres, sur les terres qu'il a acheté chez vous, vos terres qu'il a acheté la ville privée. Mais nous sommes quand même terribles. Hein? Un enfant du village vient acheter le terrain, tu le vises de tous les côtés, même quand il s'en va pour s'il ne parvient à acheter. Il s'en va au ministère de l'Habitat ou de quoi là pour faire les documents. On le vise, mais quand c'est les Chinois, on ouvre toutes les portes. Et après, nous allons nous plaindre. Hein, papa? Papa, toi qui as le terrain à l'est, ton enfant du village vient acheter le terrain, tu dis non, je ne vends pas. Dès que les Chinois viennent, tu prends vite l'argent. Tu vends même à vil prix. C'est le blanc. C'est-à-dire, on nous a sorti de l'esclavage. On nous a colonisés, c'est les mots qu'ils utilisent. On nous a décolonisés. Et la décolonisation a été de nous sortir de la colonisation où on voulait nous montrer quand même que nous et les maîtres, on travaille ensemble pour nous plonger dans un esclavage qui n'a pas de nom. Un esclavage moderne. Nous vivons l'esclavage moderne. Il pille nos richesses. Il pille nos richesses. Salut Abdel. Il pille nos richesses.
D'être on sait qu'il y a, on a trouvé l'or ici, on a trouvé le manganèse là, on a trouvé telle chose là-bas. On s'en va envahir là-bas, on descend avec l'armée, les chars de guerre, pour protéger l'endroit afin de mieux exploiter. Et nous le savons tous. En fait, c'est ça le problème. Nous le savons tous. Et nous sommes là à regarder les choses faire. À regarder les choses faire. À regarder les choses faire. Moi, j'ai souvent l'habitude de me dire, si on me montre une sorcellerie ou bien une magie que je peux faire et aller chaque nuit, fini avec ces gens-là qui marchent sur les Camerounais, vos membres de gouvernement là, chaque nuit, je viens souvent souffler dans le nez d'un comme ça, il meurt. Je viens souffler, il meurt. C'est que je vais les faire ça. Quand je pense que beaucoup de gens meurent chez nous, jeunes comme vieux, comme âgés, je ne sais pas trop. On dit, oh, c'est son fils qui l'a vendu dans la sorcellerie. Oh, Camerounais, je vous ai dit quelque chose il y a de cela quelque temps. Laissez-moi couper l'autre là, vous connaissez déjà assez. Je vous ai dit quelque chose depuis un certain temps. Vos enfants vont vous vendre. J'ai fait ce direct, ça fait peut-être 2 mois, hein, où je vous ai parlé de vente des ossements humains. Ils ne vont même pas attendre que vous soyez morts, c'est tout. Ils vont vous vendre même vivant. Non, ils vont prendre l'avance, le loan. Ils vont prendre le loan sur vos vies. Vous savez ce que c'est que le loan, non? Ils vont prendre le loan sur vos vies. Et ils vont payer ça durant... Tu vous voyez un peu? Mon père, je vous vends mon père. Je vous vends mon père. S'il meurt, je vous donne tout. Il va mal à la morgue traficoté. On va prendre un corps là-bas qu'on avait mal. On le met dans un secret. On va zinguer ça. Lui, il a vendu. Vous comprenez? Et même quand on pourra vous y enterrer, vos enfants attendront vite 5 ans pour aller enlever vos os. Donc votre chair ne sera même pas encore bien détachée de ça. Ils vont enlever, racler, aller vendre. Ils sont en train de le faire, non? Ils le font déjà, non? Vous avez déjà vu parmi les gens qui enlèvent les os des parents là, ou de qui, on attrape toujours, on ne peut pas passer un mois au Cameroun sans attraper au moins 2 groupes de personnes qui ont avec les ossements humains. Vrai ou faux? C'est moi qui vais vous dire, hein, chers parents, vos enfants vont vendre vos os pour vivre. Vous voulez laisser que vos enfants vendent vos os pour vivre, que de vous battre pour eux aujourd'hui afin d'éviter le pire. Imaginez-vous, vos enfants vendent déjà vos os et les os de vos parents. Imaginez-vous, vos petits-enfants. Ils ne vont même pas attendre. Hein? Ils ne vont même pas attendre. Ils vont vous tuer. Face à face comme ça, là, ils vont vous tuer pour vendre. Ils vont même vous kidnapper. Bientôt, ils vont organiser les kidnappings. Ils vont organiser les kidnappings. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait. Ils ont fait. Est-ce que vous savez que la majorité des Camerounais de nos jours ne parviennent pas à manger à leur faim? Quand je dis Camerounais, je parle des enfants surtout. C'est-à-dire dans une maison où on sait que, ok, au moins l'enfant doit manger à satiété. Pour aller en classe s'asseoir et écouter ce que le maître dit, le professeur dit, il doit avoir mangé à sa faim. Et on doit contrôler même l'alimentation qu'on donne à l'enfant. On doit pas prendre de la farine de pain le matin, donner. Ça, ce n'est pas normal. De pain blanc. Pour formater, on ferme le cerveau de l'enfant. Mais il va y s'asseoir en classe, on parle tout, il est perdu. C'est-à-dire, on ne suit aucun conseil nutritionnel, rien. On mange comme ça, là. Ce qu'on trouve. Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce normal? Mes chers frères et sœurs, parce qu'on veut suivre le monde. Ce même monde qui vous enseigne que on doit vivre comme ça, que voici ce qu'on peut manger le matin, voici ce qu'on peut ne pas manger. Pour avoir le cerveau, pour avoir de l'énergie en journée. Voilà ce qu'il faut prendre, voilà ce qu'il ne faut pas. Non, we don't care about. We are just like, anyway, your life is anyway. En tout cas, why? Why? Anyway, every day. Why? Qui est le maître de vos vies?
Le gouvernement. Les membres du gouvernement sont vos maîtres. Un cher peuple camerounais. Quand il dit couchez-vous, vous vous couchez. Lève-toi, tu te lèves. Monte sur ta femme, tu montes sur ta femme. Ta femme part demain, elle part demain. Est-ce que vous savez que c'est ce qui se passe au Cameroun? C'est-à-dire, tu te rencontres avec ta femme, ta go, vous avez school ensemble, et à un certain moment, bon, vous cherchez un boulot après les concours et tout, vous commencez à cheminer ensemble. Du jour au lendemain, quand tu perds ton boulot, vous pensez que vous perdez le boulot à cause de qui? Hein? Vous pensez que vous perdez le boulot à cause de qui? Vous pensez que vous ne trouvez pas le boulot à cause de qui? Ce gouvernement qui n'organise rien. Il décide de vous comme il veut, quand il veut. Il vous met dans la misère comme il veut, quand il veut. Entre-temps, ils vivent. Ils sont pleins aux as. Leurs enfants ne vivent pas la misère que les vôtres vivent. Pour ceux même qui ont les enfants au pays, ils sont dans des jolies écoles privées construites par leurs camarades ministres. Où il y a tout. C'est beau. Quand on est là-dedans, on ne sait même pas que c'est le Cameroun. Parce qu'entre ces classes-là, là-bas, dans leurs écoles-là, et les classes que nos enfants font, assis sur des cailloux, dans une salle où on a mis 2-3 tonnes, il pleut sur vous, il n'y a rien. Vous êtes tranquille, quoi. Vous êtes tranquille. Hein, mes chers frères et sœurs. Vous êtes tranquille. On va rester, on va s'asseoir pour nous, quoi. Donc, si je parviens à tenir mon tapioca à boire, et tout, je vous ai dit, bientôt à un certain moment-là, même le tapioca va plus gonfler. Hein. Vous allez mettre ça dans l'eau, ça va plus gonfler. Je vous ai parlé de mon expérience. Je vous ai parlé de mon expérience. Mon tapioca est fini. J'adore le tapioca. J'aime le tapioca. En tout cas, j'aime tout ce qui est ce que j'ai grandi avec. Tapioca, igname, tout ce qui vient du pays là. Non. Parfois, je reste comme ça. Le cocoa me manque. Vous savez ce que c'est que le cocoa? Le coquille du deuil. Donc, le coquille qu'on rend du deuil avec laver les bâtons de manioc. Ça me manque. Des funérailles, pardon. Des funérailles. Et je ne manque pas souvent les nourritures du deuil. Les funérailles. C'est-à-dire, j'ai fait l'expérience. Mon tapioca qui est arrivé, j'ai trempé. Ce n'est pas monté. Excusez-moi, peut-être, mais j'ai toujours le reste ici. Si vous voulez, je fais l'expérience. J'ai trempé, ce n'est pas monté. Je suis allée à Wazobia, j'ai acheté un sachet de tapioca qui vient du Nigeria. J'ai trempé, c'est monté. Peut-être j'ai mal vu, mais ça m'a fait mal, ça m'a dérangé. Hey, même le tapioca, tapioca de chenille ne veut plus gonfler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes chers frères et sœurs? What is happening? Can you tell me? Hein? Je sais que quelque chose se passe. Mes chers frères, qui fera pour nous? Qui? Chers frères combattants, ce que vous êtes en train de faire là ne nous honore pas. Réconciliation. Une réconciliation doit s'imposer entre vous. You need to be together. Together as one. Vous allez en rang dispersé? Dites-moi, quel est l'objectif? Ok. Kamwa la panthère, Calibri. Tu fais la révolution, moi je fais la résistance. C'est bon. Vous avez la même finalité, vrai ou faux? Parce que si vous n'avez pas la même finalité, ou bien encore, puisque tu fais la résistance, moi je fais la révolution. Est-ce qu'on n'a pas les mêmes objectifs pour ce Cameroun? Sinon, on n'a pas. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble, utiliser tout chemin mène à Rome pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser? Vous pouvez le faire pour nous, pour ce peuple qui vous écoute tous les jours. Moi, je vous écoute. Même au boulot, là, quand je parle à même mes écouteurs, là, je cache bien ça avec mes cheveux, si comme ça. J'écoute. Je mets mon téléphone là-bas dans le bloc et puis je vous écoute. Et puis je me pose la question de savoir, ok, ça sert à quoi alors de montrer à tout le monde que vous êtes à couteau tiré? What is happening? Vous discutez quelque chose? Il y a quelque chose que nous on ne comprend pas, que le peuple ne peut pas comprendre? I need to understand. Je veux comprendre.
ensemble. Together. Mettez-vous ensemble et sachez que, ok, moi je passe par Tchan. Toi tu passes par Bafan. On se retrouve à Bafoussa. Ou bien. Toi tu passes par la révolution, moi je passe par la résistance. On sauve le Cameroun. Parce que ce que vous êtes en train de nous faire voir, de faire voir au peuple, c'est que moi je suis dans la révolution, toi tu es dans la résistance, on n'a rien à voir ensemble. Je ne sais pas si vous avez les mêmes objectifs. Ah non, non. Parce que si vous avez les mêmes objectifs, ne venez plus sur la toile faire ça, je vous en prie. Gérez ça entre vous là-bas. Je pense qu'il peut y avoir des médiateurs entre vous qui peuvent vous mettre ensemble et vous essayer de que vous vous canalisez un peu. Nous avons besoin de vous tous ensemble. Kamala Panthère, Calibri, Sandy de Boston, everybody, everybody, Nicole, vous tous là. We need you together. Together. See what you are doing. Vous avez au moins ce 10 groupes. Vous avez au moins 10 groupes maintenant. Oh, nous on est les ceci. Oh, c'est nous là-bas. Oh, non, supporte. Oh, on avait telle personne. Non. What are you doing? Why are you doing that? C'est vrai, on aimerait savoir ce qui se passe chez vous en interne. Mais juste savoir que, ok, il y a peut-être eu un petit malentendu. J'aurais même souhaité que. C'est quand vous avez déjà eu le malentendu jusqu'à ça s'est résolu que vous venez sur la toile dire bon, voilà ce qui s'était passé, mais maintenant ça va. You are confusing people. You are confusing those who follow you. You are confusing them. And what do you want them to do? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent de vous? What do you want them to think about you? Hein? Do you want them to trust you? The way you are doing? No, they can't trust you. They can't trust you. Parce que je vous ai déjà expliqué. Je vais pas revenir sur ce que je vous ai déjà dit. Quand on va en guerre, mes frères et sœurs, on oublie la vie privée des uns et des autres. Les soldats là, quand ils vont en guerre, nous n'avons fait du nozo. On ne gère pas que, oh, tu tapes souvent ta femme, oh, tu violentes qui, oh, oh, tu parles mal à ta mère, oh, non. Ils s'en vont là-bas tuer nos frères du nozo, c'est propre. Quand ils vont dans le nozo, c'est pour tuer surtout ceux qui bougent. C'est-à-dire, tous ceux qui parlent, tous ceux qui sont là, qui disent, oh, ne venez plus chez nous, on tue. C'est leur objectif. On ne cherche pas à savoir que, ok, on nous envoie un oiseau comme ça, mais toi tu tapes souvent sur ta femme, oh toi tu violentes ta mère, oh tu parles mal. Non, non. Si tu comprends le Cameroun, tu peux comprendre les Camerounais. Non, effectivement, Tracy, c'est ce que je me dis. Je me dis à un certain moment, on va, je ne sais pas, je suis perdue, I'm really lost. I'm trying to fix myself, I'm trying to je ne sais pas. To be concentrated and find something like consistent. But I can't do it. Je ne peux pas le faire. Parce que, à un certain moment, je suis coincée. À un certain moment, je suis coincée. Je me dis, ces gens-ci me laissent comme ça. Je suis au carrefour. Je suis au carrefour. Je me mets à la place des Camerounais lambda. Ces gens sont au carrefour. Ils ne savent plus s'il faut monter ou descendre avec vous, mes chers frères combattants. Why are you fighting yourself? Pourquoi vous vous combattez entre vous? C'est Yaoundé qu'il faut combattre. C'est le gouvernement d'Angola qu'il faut combattre. Non, pas vous. Vous ne devez pas vous combattre entre vous. C'est ce gouvernement-là qu'il faut combattre. Even if you are in revolution or resistance, révolution, résistance, oh, vous devez combattre le même, vous menez le même combat. À ce que je sache, oh, peut-être vous allez changer. Ou bien, peut-être je vois mal. Vous allez changer. Si vous avez changé, dites-nous. On a besoin de savoir. Si vous avez changé, dites aux Camerounais qu'à l'heure-ci, on ne mène plus le combat pour telle chose. That's it. Mais si vous n'avez pas changé, situez le peuple. Situez le peuple qui vous suit.
Je vous appelle. Sandy de Boston. Calibri, Calibro. Max Ivoire, vous tous là. Can you stand together for the Cameroon? Can you do it just for a moment? We need it. Cameroonians need it. Ils en ont besoin. Vous pouvez vous mettre ensemble. Peut-être si c'est impossible, vous devez dire au peuple. Là, maintenant, ils vont se situer, ils sauront qui suivre. Hein? Ils seront situés, ils sauront qui suivre. Parce que je pense que jusqu'à preuve de contraire, on veut savoir où on est, qui on suit, pourquoi on suit la personne. Avez-vous la même finalité? Vous pouvez nous mentir, vous pouvez dire vrai. Mais quelle est la finalité? Avez-vous la même finalité? Le peuple a besoin de savoir. Moi, à la place d'un Camerounais lambda, j'ai besoin de savoir. Qui est-ce que je dois suivre? Qui va où? Qui nous mène où? We need to know. Le peuple doit savoir. Ok? Mes chers frères, vous voyez à quel point nous en sommes? Les parents qui tuent leurs enfants. Que l'enfant a pris quoi? L'enfant a pris, l'autre là qui a tué son fils à temps, là, il avait pris quoi? L'autre, c'est que, oh, il a dit à sa mère que donne-moi mes enfants. La mère n'a pas. Là, il a pris la hache pour fendre la tête de sa mère. Je vais vous poser aussi une question. Je dis que, Camerounais, vous qui hantez, vous, des gens qui hantez les enfants des gens là. Vous, les gens qui hantez les enfants des gens, vous hantez dans les enfants des gens pour agir, pour les gâter là. Vous n'avez rien à faire. Vous ne voyez pas les enfants que vous pouvez faire ça chez eux. Ce gouvernement nous torpiche tous les jours là. Vous ne pouvez pas aller entrer dans eux pour faire les choses, pour changer le Cameroun. Pourquoi c'est les pauvres enfants des pauvres gens au quartier que vous hantez tous les jours? Pourquoi? Why are you so wicked? Pourquoi? Hey! Non! Parfois je risque comme ça, je me dis un jour les Camerounais vont commencer à se manger entre eux. Et je pense qu'ils vont le faire. Et d'ailleurs, même ils le font même déjà assez. Avec la femme du restaurant qui a créé son restaurant, c'est la chair humaine, les enfants des gens qu'elle découpait, elle vendait là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait du cas de cette femme? Hein? Qu'a-t-on fait du cas de la femme qu'on a retrouvée dernièrement qui avait décapité les enfants pour préparer, elle préparait dans son restaurant la chair humaine pour vendre aux gens? Qu'est-ce qu'on a fait d'elle? Camerounais, vous ne posez pas, vous ne demandez pas des comptes? Vous ne demandez pas des comptes? Des crimes pareils? Non. Non. Parce que ce n'est pas vous aujourd'hui. Demain, quand ton enfant sortira pour aller en classe et il ne rentrera pas, peut-être tu comprendras ce que ça fait. Et rassurez-vous, je vous ai toujours dit, salut maman Nicole, je vous ai toujours dit, nous sommes comme des poulets dans une ferme. Nous sommes comme des poulets de chair dans une ferme. Pour certains, ils sont comme des pondeuses. Vous finissez toujours dans une casserole. Et on vous prend toujours à tout de râle. On ne mélange jamais deux comme ça pour prendre. C'est un à un. On met dans le panier, on met dans le panier, on s'en va manger. C'est comme ça qu'ils risquent de nous finir un à un. One by one. Que ce soit par accident. Que ce soit pas, parce qu'on va parler, les gens vont se placer là, dire, oh, même en France, il y a les accidents. Oh, même aux États-Unis, il y a les accidents. C'est vrai. Mais je vais... Oh, allez le dire. Qui se vous voyez, on est déjà en train de m'appeler au boulot. Je suis en train de vous dire ceci, mes chers frères et sœurs. Sortons du silence. Sortons de la distraction. Sortons du ha. Ce n'est pas moi. Pour moi, quoi dedans? Sortons du ha. Pour moi, quoi dedans? Chers frères combattants, Calibri, Sandy de Boston, Kamoa la Panthère, vous tous, Stéphane, vous tous là, mettez-vous ensemble pour ce Cameroun. Nous avons besoin de vous ensemble. Vous êtes tous des soldats. Et quand les
soldats s'en vont en guerre, ils ne marchent pas en rang dispersé. Si oui, quand ils se sont entendus pour se disperser, peut-être vous vous êtes entendus pour vous diviser. Peut-être, mais oui. Attendez, peut-être, hein. Peut-être vous êtes entendus pour vous mettre comme ça afin de mener le combat. Ou bien, si seulement vous avez fait ça, c'est bien. Mais si vous n'avez pas fait ça, si ce que vous avez fait sur la toile, vous nous montrez sur la toile là, est vrai. C'est-à-dire, vous êtes vraiment à couteau tiré. Stop it. We don't need that. Cameroun people don't need that. Vous pouvez vous entendre. Ok, je suis dans la résistance. Je suis dans la révolution. Mais on a une même finalité, sauver le Cameroun. On a une même finalité, sortir le Cameroun de la misère. On a une même finalité, mettre ce gouvernement à terre. Mais si vous n'êtes pas comme ça, si vous ne marchez pas comme ça, ça ne va pas marcher, mes chers frères et sœurs. Sur ce, je dois vous laisser. Vous avez vu, le boulot m'appelle. Portez-vous bien et on se revoit dès que possible. Prenez bien soin de vous, car nous avons du chemin à faire. Surtout si ces gars sont sérieux dans les clashs qu'ils ont sur la toile. S'ils sont sérieux là, nous avons trop de chemin encore à faire. Si c'est que vous êtes entendu pour faire ce que vous êtes en train de faire, je vous salue et je dis, allons de l'avant. Yeah. La base, il y a des infiltrés comme moi, la panthère. Pas un exemple, ma fille. Maman Nicole. Moi, ça m'égare. Je suis égarée. Je suis perdue. Je suis perdue vraiment dans cette histoire. Je suis perdue. I'm lost. Et comme je le disais tout à l'heure, maman Nicole, fais le savoir. Il faut qu'ils comprennent que je suis ta fille. Parce que beaucoup sont là sur la toile. Je le disais tout à l'heure qu'il n'y a pas, ils sont rares, les gens de ma génération. C'est-à-dire qui sont sur leurs 30 ans comme ça là. Qui sont dans ce combat. Rares sont ceux-là. Ils sont rares. Ils ne s'intéressent pas. Ça ne les dit rien. Rares. Il faut qu'on fasse très attention. Notre vie, c'est nous qui la faisons. Notre vie, c'est nous qui la faisons. Les décisions de notre vie, c'est nous qui la prenons. Personne ne va le faire pour nous. Portez-vous bien, mes chers frères et sœurs. Je vous salue. Que les ancêtres veillent sur vous et que Dieu vous garde. Portez-vous bien d'ici à là. J'espère vous revoir. Hein, parce que le Covid est en train de faire fort. J'ai même encore vu les inondations. Donc une fois de plus, Dieu a mouillé vos lits. Mouillez vos lits pour que vous vous levez Camerounais. Vous ne comprenez pas. Hey! Une fois de plus, Dieu a mouillé vos lits. Que y a peuple dormeur. Levez-vous haut. Y a peuple dormeur. Levez-vous haut en plein mars. Dieu a mouillé vos lits. Vous cherchez à sécher le matelas debout pour continuer à vous coucher dormir. Tout votre corps va se recouvrir de la gale. Et vous allez vous recouvrir des cendres. Et vous allez tomber. Be careful. Quand ça arrive, mes chers frères et sœurs, quand Dieu mouille ton lit, lève-toi, marche. Sortez, marchez, Camerounais. Ya! Yeah! Sortez, marchez. Sortez, marchez. Ya! Yeah! Dieu mouille vos lits en plein marche. Vous ne comprenez pas le message. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Vous allez dire, Seigneur, parle-moi. Dieu vous parle. Il mouille vos lits. Vous continuez à dormir. Et mouillez vos lits pour que vous vous levez et vous marchez. Levez-vous, marchez, peuple camerounais, comme au Sénégal, comme au Mali. Levez-vous, marchez. Levez-vous, camerounais, levez-vous et marchez. Libérez vos vies. Libérez vos vies, sauvez votre pays. Sauvez votre pays. Sauvez votre pays, oh! Quand vous construisez des routes, quand vous creusez des caniveaux, que demain, l'eau ne mouille pas encore vos lits. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Eh, pardon.